Ok, je suis peut-être sorti sans avoir exploré la place, mais c'est pas grave! Viens! Je m'en fous de ta hache, je veux pas de hache. On est venu ici, fait qu'on va retourner dans le petit village. On fait le party. Salut, petit village. Vous êtes revenu. Ouais, on a ce morceau vivant, là, y'a pas de trouble, ça. Les vieilles ruines sont sûres. Votre village n'est plus en danger. Vraiment? Ah! Par la lumière! Les cieux vous envoient! Oh, je suis désolée, nous n'avons pas d'argent à vous offrir. Les villes du village, pour étonner. Nous avons du ragoucho, de la bonne compagnie. Restez pour une pinte! Histoire de faire passer le goût du ragoût. Nous feriez-vous l'honneur de vous joindre à nous? Party, let's go! Notre sauveur! Ouais, elle a de l'air d'être forte, l'alcool. Oups. On se fait droyer. Ah ouais, costaud. Les pieds traînent à terre. Cadavre de ma bouche, le truc de la... Ouais, moi je me cache un peu ça. C'est pas grave. Prophétie de Ratma. Par le sang de la mer et le corps de la mer, vous serez témoin de sa gloire. Oh là là! Avant de mourir. On va se faire tolucider. C'est pas encore prêt. Oh, oh. Ils arrivent, tout le satané village. Debout. Debout. Il faut se frayer un chemin vers la sortie. Là, attrapez-les. Ah, ben, il faut se pousser à ce truc. La lumière nous préserve. Ah non, je vais clearer le village, tu vas voir. Tintouille. Il était même pas bon ton ragoût, ah ouais! Toc toc! Toi, règle!
C'est pas bon ton alcool, il y a quelque chose de pas correct dedans. T'as mis la drogue du viol là-dedans. Désormais béni. Pas convaincu. Il n'y en a plus d'autres. Par la volonté de la lumière. Tant mieux. Salut. Vous êtes l'énergumène de la cabane? L'énergumène? Ces hérétiques m'ont drogué à mon retour des ruines. Tout comme vous. J'ai repris mes esprits et me suis enfui. J'ai essayé d'entrer dans la chapelle, mais elle était verrouillée et... Arc. Qu'est-ce donc ce maléfice? Des pétales... de sang? Ils ont dû me les faire ingurgiter. C'est un rituel blasphématoire. Qui le leur a enseigné? Le Père Noël. Il se trouve peut-être dans la chapelle. Il la verrouille pour une bonne raison. La femme qui les menait possède sans doute la clé. Ok, on va aller voir. La médium. Donne-moi ta clé. Voilà. Allons-y. Ah, c'est pas dur monter de niveau, hein. Progression de 15 sauvegardés. Wow. Fait qu'on va aller à la chapelle. Allez, vite, toi. Seules les flammes pourront purifier ce lieu des ténèbres. Allez voir à l'intérieur, mais hâtez-vous. Je vais préparer la torche. Ça y est, on brûle la place. Mais que faisiez-vous, mais... chose... J'étais à la recherche du prêtre du village. Je voulais savoir pourquoi il n'envoyait plus la dîme. À l'approche du village, j'ai senti les ténèbres qui envahissaient les ruines. Je m'y suis rendu, et j'ai découvert la dépouille du prêtre. Des démons. Imbécile que je suis, j'ai été chercher refuge à Neveste et j'ai mangé de leur nourriture. Vous connaissez le reste. Ok. Tac tac. Des pétales de sang, comme ceux qu'on m'a fait avaler. Oh là là. Une vision. Pas grand monde dans ce village-là. Honte à vous. Notre père vous a ouvert la voie du salut. Et vous, votre seul but est de vous en écarter. Vous buvez et jouez. Vous convoitez et volez. Ils sont nés pour pécher. Mes enfants, les seigneurs des enfers arrivent pour dévorer notre monde. Votre salut ne réside pas dans la lumière, mais en vous. La foi vous a appris à renier ce que votre cœur désire et vous a rendu prisonnier de vous-même. Brisez vos chaînes et découvrez votre véritable destinée. Brisez vos chaînes et fleurissez dans le péché.
Vanny, c'est moi. Je vous ai aidé à mettre au monde votre enfant. Ça fait méga une brette. Ils se sont éveillés, mais... Ce n'est que le début. Va dans les steppes arides et continue les préparatifs. Maintenant, notre véritable mission commence. Bon, je faisais une sieste en plus. Grâce à la lumière. Salut. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes évanoui à l'intérieur. J'ai cru que l'obscurité vous avait englouti. Je vous ai tiré de là avant de mettre le feu à ce lieu maudit. Que vous est-il arrivé là-bas? J'ai eu une vision. Une démone cornue. Elle disait que les seigneurs des enfers arrivaient. Elle voulait aider les gens à survivre. Les aider? Elle les a appelés ses enfants. Et ils l'ont accueillie comme une mère. Mère? Non. C'est impossible. Je dois en informer la cathédrale. Écoutez, un ermite vit à l'est d'ici. Sa loyauté est discutable, mais il connaît des choses interdites. Il pourrait nous être utile. Amenez-le à la cathédrale de Kyovashad, et vous gagnerez la faveur de la lumière. Qui est la mère? Ne l'appelez pas comme ça. C'est une démone. Lilith. Les textes sacrés disent qu'elle marchera parmi nous en se faisant passer pour la mère de sanctuaire. Si elle est vraiment ici, c'est le péché de l'humanité elle-même qui l'a fait venir. Qui est cet ermite? Il aime s'entourer de savoirs obscurs. Faites bien attention. Et priez qu'il ne soit pas tombé sous l'emprise de Lilith, lui aussi. Ah, t'es enthousiaste! Fait que les petits coons se trouvent dans ce coin-là. Allons-y. Ah, c'est des petits... petites bêtes qui se promènent, là. Rien de spécial. Fait qu'ici, il y a une cave transie. Allez voir, allons voir là-dedans. J'aime rafraîchir les idées, moi j'aime les écraser des idées. Tiens. Allez, une plus. Ok, fine. Calmez vous autres mes toutous. Sanctuaire mortel. Ouh! Et y'a-t-il d'autres mondes ici là? Salut! Je vais prendre un peu de soin, merci. Oh, fini de becter un cadavre mort. Un cadavre mort. Oh, on a un cimetière ici. C'est surprenant de voir les squelettes dans un cimetière. Ça s'ouvre pas ça? Ok. Oui, il va me chuter de même, hein. J'ai checké la map. Oh, un coffre.
Ah, les deux cas, ça met la même place, moi. Couchez, toutou. Couchez l'autre toutou, couchez-toi avec et couchez. Hey, je t'ai squish, les araignées. Je déteste les araignées, ça fait ralentir. Attends pas, toi. Oh, oh, les deux, il y a tout dans le dos de lui. Tabarnouche! Arrêtez! Maudite! Bon, voilà! Ah, il a sauté dans le cadavre pour le posséder. Pour le posséder, mais contrôler. Arrêtez de me fuger! Y a-t-il quelque chose ici? Non? Ok, fine. Ah, ils sont on se faufile. On y est presque. Ici, il y a des cassins à récolter. La route est bloquée. On devrait pouvoir passer une fois la tempête terminée. Ok. Des bouteilles vides. Un assortiment hétéroclite de bouteilles vides. Certaines d'entre elles dégagent encore une forte odeur de liqueur. Des bouteilles de rhum? Ah, je vais ramasser toutes les fines herbes. Tac tac. Il y a quelqu'un? On dirait que non. Des instruments de soins, ils ont servi il n'y a pas longtemps. Quelqu'un s'est blessé? Des herbes, des champignons, des organes, et ce n'est pas destiné à la cuisine. Ok, celle-là. Qu'est-ce que vous cachez là? Les enfants? Note sur le spécimen. Les crocs sont courts. L'individu est jeune. Transformation récente. Une proie facile. Plus au sud que les autres. Ils se répandent. Un piège rouillé. Le piège est couvert de sang séché. Y a-t-il été posé dans le but d'attraper un animal ou un être humain? Bonne question, tu lui demanderas. Un crâne étrange. Moi, je pensais que c'était le fessier dedans.